Bienvenue, chers sportifs. Rentre, bienvenue au Krebs anti-Guyane. N'hésite pas à mettre ton masque et à te désinfecter les mains en rentrant dans l'établissement. Le premier service est celui des relations extérieures. Outre les chambres réservées en internat, les résidences, chambres individuelles, doubles ou PMR sont mises à disposition pour des séjours sportifs ou culturels. Votre contact, Isabelle Portecop, vous accompagne pour le montage de votre programme d'hébergement. Dans un deuxième temps, tu trouveras M. Trobromuald, représentant des installations sportives. Les installations sportives n'abritent pas uniquement des équipements sportifs propres du Krebs, à savoir le centre d'haltérophilie, le gymnase ou encore le terrain de foot synthétique. Nous mettons aussi à disposition des salles de formation et des salles de réunion à destination des sportifs du Krebs, mais un public externe, bien évidemment. Juste en face, tu trouveras le service formation, dirigé par Bernard Denis. On y va ? Le service formation propose des formations dans l'encadrement du milieu sportif ou de l'animation, dans diverses activités, comme la musculation, le fitness, la plongée et l'animation de toutes les activités physiques, comme le badminton, le kayak, les sports co, de la randonnée, etc. Le dernier service que tu trouveras au rez-de-chaussée sera le service du haut niveau. C'est celui qui te permettra d'arriver au bout de ce que tu veux accomplir. Le pôle soutien à la haute performance est composé de 6 personnels techniques pédagogiques et profs de sport. Ils sont en charge du sport de haut niveau et de la haute performance. Leur mission principale est d'accompagner et de faciliter l'accès des structures au sport de haut niveau. Le Krebs des Antilles et de la Guyane accueille aujourd'hui des pôles labellisés et des centres régionaux d'entraînement avec 16 disciplines. Par exemple, l'athlétisme, le basket, l'escrime, le football et le rugby sur site. Certains pôles s'entraînent sur des installations du Krebs et d'autres à l'extérieur, comme le pôle cyclisme, boxe anglaise et boxe française, la voile, le kayak, le pôle triathlon, tennis, golf, équitation, BMX ou encore motocross. Maintenant que tu connais le service des relations extérieures, de la formation et du pôle soutien à la haute performance, nous allons passer au premier étage afin de découvrir le service financier représenté par Madame Chantal Omorodio. Le service financier accueille le public pour le paiement de la restauration et de l'internat le mardi et jeudi de 7h à midi. Toutes les informations utiles se trouveront sur le site du Krebs et tes parents recevront un message via le réseau PSQS. Il y a aussi le restaurant du Krebs. Les pensionnaires y prennent tous leurs repas, les demi-pensionnaires uniquement le déjeuner. Il va falloir que tu crédites ta carte avant pour pouvoir y accéder. Le Krebs accompagne les sportifs inscrits en pôle et scolarisés en mettant à leur disposition un internat de plus de 70 places. La vie au sein de l'internat est gérée par un responsable et des assistants d'éducation. La vie du sportif se décompose de la manière suivante. Cours le matin, activité physique l'après-midi. Un temps d'études encadré est aussi proposé. Les sportifs sont accueillis du dimanche soir au vendredi midi. Le Krebs anti-Guyane est doté d'un centre de santé, dirigé par Madame Sylvie Tournebise. Tu y trouveras des kinés du sport, des ostéopathes, des médecins, beaucoup de spécialistes qui assureront ton suivi médical. Le centre de santé est aussi ouvert à toute autre personne externe au Krebs. N'hésitez pas à venir pour prendre soin de vous. Si tu le souhaites, n'hésite pas à retrouver toutes les informations utiles sur le site internet du Krebs anti-Guyane. Tu peux aussi nous suivre sur nos différents réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que notre chaîne YouTube. Sans plus attendre, je vais laisser la place à M. Eddy Couriol qui a quelques mots à te dire. Ciao. Bonjour à tous. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au Krebs anti-Guyane de Pointe-à-Pitre. C'est un lieu chargé d'histoire, mais je pense que c'est vous qui allez poursuivre l'écriture de son histoire. En tout cas, le personnel du Krebs et moi-même, nous nous engageons à faire le maximum pour que vous puissiez réussir votre triple projet. Celui de la scolarité, celui du sport bien entendu, mais celui de l'éducation aussi. Bonne année et à très bientôt.